Merci beaucoup. Ce matin, avec Frémio, grâce mon Dieu avec nous. Mon Dieu bénit nous l'Église. Nous dit le ciel merci parce que nous avons un privilège encore. Nous avons un souffle de vie toujours pour que nous soyons capables d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous remercions deux jeunes sœurs qui font lecture pour nous à la gloire de Dieu et n'ont pas besoin de faire lecture là encore. Au cours de semaine, ça a gagné une situation qui fait mon triste en pile. Fait mon triste dans le sens que, au cas où là, et puis, dans toute innocence, et puis dans un petit temps, tout coûte, il y a cherché, il n'y a pas joint nous encore. Il n'y a pas joint nous encore. Et nous demandons qui ça qui cause que genre de tragédie ça yo a secoué le monde là. Nous posons peut-être nos questions qui ça qui cause. Lorsque nous tapons un petit temps, personnellement, pour me réfléchir sur Stephen Paddock, qui c'est monsieur ça qui se fait massacre du côté de Las Vegas. Et nous tapons réfléchi, moi dis donc. Il y a quatre éléments qui me suivent là, Kaeli. Premièrement, c'était un personnage de 64 années. 64 ans, nous capables plus ou moins de dire c'est l'âge de sagesse. Côté monde, plus ou moins comprendre la vie. Non seulement c'était un personnage de 64 ans, mais c'était également un professionnel. Parce que les gars ont un diplôme de pilote. Vous imaginez ça? C'était un professionnel. Bien entendu, il était retired, mais c'était un professionnel. Il était un métier. Troisième élément que nous avons réfléchi sur lui, mais il n'a pas de aucun passé douteux. Il n'a pas reproché de aucun crime. L'étape vivre pieusement dans la société. Soit la justice a cherché. Et puis finalement, on dit pas je n'ai rien comme crime que l'été fait. Ça veut dire, pendant 64 ans, l'étape vivre la ville bien et témoignage bail pour lui. Et quatrième élément que je essayé de garder, mais c'était un multimillionnaire. Ça veut dire, ce n'est pas souci la vie, non? Tant que parce que les besoins de bagaille n'ont pas de tête, non? Qui fait le crime, ça? L'homme finit de garder quatre éléments, ça, je me dis, bon, mais qui ça m'a besoin? M'a besoin de bagaille comme ça? M'a besoin pour bon Dieu garder ma vie? M'a besoin pour mon bon profession? M'a besoin pour pas un yé crasse dossier sale dans la société, ça? Et mon cher, m'a besoin de tout. M'a besoin de petit cobre. Mais par-dessus tout, Stephen Paddock te manqué yon bagay. Li pas de Jésus-Christ. Et depuis ou pas de Jésus-Christ, ou ka fait tout bagay. Depuis le Saint-Esprit, pas nan ou pas en yon. Texte que nous sot li là dans Daniel chapitre 6. En fait, nous avons supposé lire tout chapitre là. Mais pour économiser le temps, nous lisons seulement sorti dans verset 17 pour arriver dans verset 23. Mais nous sommes certains que c'est une histoire ou plus ou moins qu'on est en pile bagaille de lire. Livre qui devant nous là, c'est Daniel lui-même qui écrit. C'est livre la portée nom auteur. Et le nom de Daniel. Il signifie Dieu est mon juge. Maintenant, dans le cadre de ce sermon, nous prenons regarder comment bon Dieu est intervenu en faveur de Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Nous ne connaissons pas le bagage de Daniel. Mais ça que nous connaissons, si seulement nous t'as gardé dans chapitre 1, verset 3, verset 6,
n'a comprendre que Daniel est sorti non lignée royale. Il était une famille à coup sûr qui c'était roi ou bien reine. Et premier groupe monde Daniel était destiné livre ça à eux-mêmes, c'était les Juifs, eux-mêmes qui étaient trouvés en exil à Babylone. C'est un groupe de monde ça que Daniel t'a d'abord adressé livre ça. Et le peuple Israël, il était subi une déportation qui était divisée en plusieurs morceaux. Mais nous retenu trois grandes parties là-dedans qui était secoué peuple Israël dans un moment. En 605 avec Joachim, c'est le roi de Juda. Et en 605, le peuple Israël il secoué. Mon premier tranche monde, mon premier groupe monde, jeunes garçons bien potent, jeunes filles, jeunes professionnels et puis l'armée babylonienne venir et puis il prend groupe monde ça, il porte à aller. En 597, il y a un deuxième ravage qui fait encore. Fois ça c'était Joachim qui était roi. Pour un deuxième groupe monde et puis porte monde ça aller. Et finalement, en 586, sous Sédécias, et puis le dernier ramassé qui fait, pour tes jeunes garçons, pour tes petits mouns, pour tes grands mouns aller, et quitter seulement les mouns qui pas trop car faire long voyage ça. Et Daniel, c'était dans le premier groupe mouns qui était allé, Daniel lui-même était allé comme un très jeune garçon. Daniel décrit l'Ivlia en deux langues. D'abord, il écrit en langue juive même, en hébreu, en façon pour tout juif qui était capable de comprendre sa labdia. Et il écrit également en araméen, qui c'était langue commerciale d'alors. Dans la période-là, c'est ça qui a été utilisé comme langue commerciale. Tout comme aujourd'hui, langue commerciale que nous avons à travers le monde, qui c'est anglais. Mais, là, je regarde le livre-là, je comprends, le livre-là dans son ensemble, je comprends que Daniel lui enseignait nous. En pile bagay. D'abord pour jeunes yo. Daniel y enseigne nous en pile. Si nous songeons depuis dans Daniel 1 verset 8, ça qui t'est passé, Daniel te dit le pape souillé tête li avec qualité manger que yo a bail yo. M'a imaginé moi-même qui t'ai à peine sorti à Haïti et puis Donald Trump t'est venu prendre Haïti, venir même ici là et puis qu'on y a là pour m'a tombé sous manger. Manger, président Donald Trump a fait préparer pour moi. Mon cher, m'a mangé, gen lè. M'a mangé. Oui, m'a mangé, m'a pas menti, m'a mis dans le corps. Mais Daniel, tout jeune, il voit, je regarde, il voit qualité manger ça, yo. Yo pas conforme à instruction qu'elle te recevoir depuis le tout petit, même s'il est bien loin la caille. Et puis il dit le pape souillé tête li. Le pape souillé tête li. Daniel te gon go leçon qu'il a enseigné pour nous-mêmes qui sommes jeunes. Et pour nous-mêmes qui sommes adultes, Daniel li encore li enseigné nous dans le chapitre 6 là. Parce que Daniel, dans le chapitre 6 là, Daniel pas un jeune garçon encore. Daniel, dans le chapitre 6 là, il a environ 80 années. Ça veut dire Daniel grand pile maturité là. Et Daniel enseignez-nous, c'est une source d'inspiration pour nous-mêmes qui sommes adultes, et une source d'inspiration pour nous-mêmes qui sommes jeunes. Maintenant, le livre là, nous connaissons l'histoire, c'est Daniel qui trouvait lui à travail dans le palais roi Darius. Et pendant Daniel lit là, ouais dans Daniel il y a un serviteur qui est très excellent. Nous allons regarder pour moi verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit. Quel type d'esprit? Un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel te gagne dans lui-même un esprit supérieur. Esprit supérieur, ça, c'est. Pendant Daniel que le tétouillé comme ça, non, mais c'est bon Dieu qui investit l'esprit ça, non, Daniel. Et à cause
de investissement ça que bon Dieu fait. Non, Daniel. Ouah, il observait ça, et mais qui ça le fait? Il mettait Daniel sous tout royaume. Il mettait Daniel sous tout royaume. Daniel, c'était un serviteur distingué. Parce que il était dans lui-même un esprit supérieur. Et esprit ça n'est pas sorti de Daniel en dans lui-même, mais c'est bon Dieu lui-même qui investit esprit ça dans Daniel. Parce que moi-même ensemble avec vous, nous faisons naturellement dans le péché. Mais c'est bon Dieu qui pour investir dans nous, c'est bon Dieu qui pour mettre dans nous un esprit supérieur. Mais cependant, pendant que l'autre monde qui travaille à côté de Daniel, il a réalisé que Daniel a prospéré dans mi-temps, il a réalisé que Daniel a pris promotion dans mi-temps, eh bien, la jalousie, l'orgueil viennent envahir le cœur. Si nous regardons à partir de verset 4, qui ça qui dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Daniel, deuxième étape que nous avons dans la vie Daniel, non seulement c'était Wali même qui était observé la caille Daniel, que tu es un esprit supérieur, mais deuxième élément que nous avons la caille Daniel, c'est que même ses ennemis ont observé la caille Daniel que tu as un bagaille en plus. Ils ont observé que dans Daniel, il y a un bagaille en plus. Et le fait que Daniel ait un bagaille dans lui-même qui est supérieur à lui-même, qu'on y a, il a cherché qui moyen possible pour capable détruire Daniel. Et ça nous est capable de dire stratégie ennemie. Quelle stratégie il a utilisé à partir du verset 6? Quelle stratégie il a utilisé? Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. En pile parole commencé à dire. Je voulais que ça m'a dit était clair dans l'esprit. Nous, d'abord, nous dit Daniel était un esprit supérieur dans lui-même. Et cet esprit supérieur, c'est bon Dieu qui t'a investi dans Daniel. Et roi Darius lui observé ça. Et roi lui établi Daniel sous tout royaume. Nan. Et à cause de ça, qui ça qui passait, collaborateur immédiat Daniel yo vient transformer en ennemi pour Daniel. Et yo ouais dans Daniel, yo moun yo pa wè qui ça que t'a reproché le travail que li a fait. Et peut-être ça, yo a utilisé yon stratégie. Et stratégie à partir du verset 6, qui ça yo fait? Yo allé bon côté roi. Et lorsque arrivé bon côté roi, il a commencé à flatter. Wa. O wa vit éternellement. Et il a demandé pour wa capable de faire sortir un décret. Et côté décret, ça a gagné la donne dans un délai 30 jours pour tout le monde qui habitait tout côté. Côté que wa a le pouvoir sur eux. Que tout le monde ça a besoin d'adorer uniquement wa. Darius. Est-ce que nous comprenons ça qui fait là? Ils ont demandé pour que roi écrit un décret. Côté tout le monde doit adorer seulement roi Darius. Ça veut dire, nous capables de dire, ils prennent Darius maintenant comme yon Dieu. Darius pas moun encore. Darius pas moun encore. Qu'on y a c'est Dieu Darius. Stratégie a bien marché. Yo utilisé flatterie. Pour yo faire Darius sentir ça que le paye. Mettez Darius pire que le pas arrivé.
que le pape Jean rivé. Maintenant, ce n'est pas roi Darius encore, c'est Dieu Darius. Et décret a sorti pour que tout le monde soit capable d'adorer Dieu Darius. Mais ce qui est étonné, nous, c'est que Darius lui prend un piège là. Darius lui prend un piège là. Verset 9. Et Darius lui fait sortir décret. Alors, on va faire une première station ensemble avec nous. Nous réfléchir sur ça. Ce n'est pas tout bagaille que nous venons dire pour courir prendre. Nous allons lire ensemble avec moi dans 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Je vais prendre un petit temps pour me chercher le texte pour me capable de lire pour 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous comprenez que moi-même, ensemble avec vous trop souvent, oui, c'est vrai, nous aimons tant de monde qui dit nous parole qui fait sens nous bien. Mais lorsque parole ça dit, est-ce que parole ça y est vérité dans vous? Est-ce que nous prenons du temps pour nous capables de discerner mensonge ou bien vérité qui est dans parole ça? Ah oui, nous avons même qui dit nous tout bon bagaille alors que en dedans nous même nous connaissons dans ces menti li a fait. Mais nous prenons piège là. Nous prenons piège là. Ça a pas gain, ça a un petit temps. En pile année m'tap gardé un film côté que yon moun qui voit je garder foyer pâle qui pas bien marché et puis à côté de lui-même li un foyer qui a bien marché. Mais il était bien avec l'autre couple à côté foyer a bien marché. Il était bien ensemble avec yo. Mais monsieur a été acheté yon pezano pour madame li. Yon pezano pour madame li. Monsieur connaît ça, il y a les affaires pour yon dans la. Et puis qui ça le fait? Il veille côté madame nan mette zanoa, il y a aller le prend yon nan gagno. Il prend un gagne zanoa. Et puis il prend grain sans noir qu'on y a là, qui ça le fait? Là il met grain sans noir, là il prend grain sans noir, là il met grain sans noir dans une chambre, hôtel, son cabane, il gagne cabane là. Et puis qu'on y a là, il relève monsieur, il dit monsieur à comme ça, ah madame mon dans désordre, madame dans désordre, oui, ah, je suis dit que et bien sous compte c'est menti, à l'hôtel, hôtel, dans telle chambre, hôtel, à regarder qu'il soit joint. Et le monsieur levé, il y allait effectivement, le rivé qui s'est joint, Zanol t'a acheté pour madame Lian, il y joint un grain là-dedans, non, sous cabane dans la chambre hôtel là, et lorsque le rivé la Kaili, il n'y a pas l'autre grain, ça veut dire, tout bon vrai, que madame n'est allé dans l'hôtel là. Et comment le scénario a fini, monsieur a fini sans demander madame, il parlait seulement pour madame là, il allait sur un gros pont, et puis le rivé, il a dit madame en bas. Et après, lorsque le fin tue madame, nan, l'autre nous fait le connaître que le fait tuer madame nan, innocemment. Ce n'est pas tout le bagaille que nous avons dit pour croire la donne. Nous avons besoin d'un esprit de discernement. Nous avons besoin de recul pour nous capables d'analyser ça. Nous avons dit. Et s'il le faut, nous avons quitté ça. Nous avons dit à un côté et puis nous pour aller dans la prière. Darius prend un piège là. Et c'est comme ça Darius écrit effectivement. Mais ça qui étonne, et ça qui a étonné chaque monde qui l'a, c'est que Daniel, à partir de décret ça qui sorti, Daniel, au lieu pour lui t'a couru, au lieu pour lui t'a suspendre l'activité qu'il te compte faire, qui ça qui passait, Daniel continuer à adorer, continuer à louer, continuer à servir le Seigneur comme auparavant. Daniel continue à sa vie de prière comme auparavant. Nous avons aimé ou garder ensemble avec moi toujours dans Daniel 6. Toujours dans Daniel 6. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit,
il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes de la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est pour l'église dit Amen pour ça. Amen. Comme il le faisait auparavant. Dans le verset 10, ça, nous avons un petit temps pour nous observer ensemble avec nous. Ça qui est dans le verset ça. Roi Darius fait décret à sortir. Daniel, dès son jeune âge, il a servi le Seigneur. Il a eu confiance dans mon Dieu. Et c'est grâce à confiance ça qui fait bon Dieu, fait Daniel à prospérer. Mais qu'on y a même confiance ça, Daniel gagne dans bon Dieu, hein, vient mettre Daniel qu'on y a dans situation difficile. Est-ce que l'église comprend ça n'a dit là? Amen. C'est confiance que Daniel te gagne dans bon Dieu qui fait Daniel à faire succès. Et c'est même confiance à Daniel qui est dans bon Dieu qui journée aujourd'hui a mis Daniel dans une situation difficile. Ah Seigneur, je connais vrai lorsque je crois dans où, je connais qu'a fait bon bagaille pour moi, même pas quoi Seigneur lorsque je crois dans où, bagaille ça qu'a venir vivre comme ça là chez papa, c'est petit ou mieux, m'a demandé sous péché Seigneur et qu'a thème de danger ça et non. C'est même confiance Daniel te gagne dans mon Dieu. C'est même mon Dieu, c'est même Daniel là, c'est même confiance là. Sauf que situation changée qu'on y a. Et qui ça qui passait? Daniel n'est pas effrayé. Daniel pas de peur. À cause de ça, ennemi a été fait. Daniel t'a continué activité de prière li, trois fois. Le jour, Jean te confesse ça avant. Élément d'amati, attention, nous souligne, c'est que Daniel, c'est pas si constant ce que fait de prier le Seigneur. Daniel te connaît prier déjà comme ça. Moi-même, ou même tout, c'est lorsque 4 marées 3, c'est lorsque situation difficile, tout bon vrai, c'est lorsque nous, tout ça, nous fin fait, nous n'avons rien pas marché. C'est lorsque tout le monde nous fin consulter, nous pas jouer une réponse. C'est là ça, nous allons chercher présence, bon Dieu. C'est là ça, nous allons prier. C'est pas si constant ce que fait Daniel, t'a prié. Daniel t'a qu'on prié déjà. Daniel t'a qu'on prié trois fois le jour, déjà. Alors, mais nous comprenons ça, oui. Pas tant non ces situations qui vous chavirent énormément pour capable prier le Seigneur. Ou capable prier, prier le Seigneur. Daniel pas t'a le cacher. Un autre élément qui est important pour nous, Daniel pas t'a le cacher. Daniel était là. Youn nan bagay Daniel te ka di, li te ka di bon, m pa prier, j'en te kon fè encore ma prier bon Dieu nan kèm. Nous bay en pile menti dans sens ça. Oh, après moi pas prier, m prier nan kèm. Bon Dieu, vous avez menti. Vous avez menti, vrai. Vous priez dans le cœur. Oui, pendant que vous priez dans le cœur, vous avez une expression de sortie de dehors. Daniel n'a pas dit m'a prêté la nomine à tout le monde, m'a fait comme si m'a adoré à Darius, m'a fait comme si m'a prié Darius, mais bon Dieu connaît, c'est lui-même m'a prié dans le cœur. Non, Daniel n'a pas menti ça. Daniel n'a pas menti ça. Daniel, il continuait. Vie de prière que le te gagne, Jean le te kon fait là, quand il te foile te kon fait là, il continue même Jean. Il pas bay menti. Daniel ouvrit fenêtre li qui va en direction de Jérusalem. Daniel pas crainte rien. Daniel mette li à genoux. Lorsque nous à genoux devant bon Dieu, il y a une force là-dedans. Il y a une force là-dedans. Nous sommes dit nous ça déjà. Si nous avons besoin de camper dans la présence de bon Dieu, c'est à genoux pour nous mettre devant. Si nous avons besoin de
camper devant diable là, c'est à genoux pour nous rester devant mon Dieu. Daniel mettait à genoux. Daniel lui a prié. Et Daniel, texte dit, Daniel a loué. Pour qui ça nous louer, mon Dieu, hein? Nous louer, mon Dieu, pour ça, il fait. Et nous adorer, mon Dieu, pour s'allier dans la vie, nous. Texte là dit, nous, Daniel, t'as loué. Daniel connaît des créas sortis. Est-ce que l'église comprend ça? Daniel connaît des créas sortis, mais qui ça, Daniel, t'as fait, il t'a loué? Loué, la loué, mon Dieu, pour ça, mon Dieu, fait. Ça veut dire, Daniel, comprendre. Volonté, mon Dieu. Le chanter nous dit, volonté, mon Dieu, douce. Ici, aimable. Qui bagaille qui rive ou même qui c'est chrétien. Ou senti son soufflet ou prend. Ou senti ou détruit. Mais même si vous prenez soufflet là, vous applaudissez le Seigneur. Vous dites, mon Dieu, merci pour ça qui rive maintenant. Merci parce que c'est moi qui rive. Apôtre Paul lui a parlé. Il dit son grâce liée pour nous capables de souffrir pour bon Dieu. Ce n'est pas une grâce liée pour nous souffrir, non? Mais c'est une grâce liée pour nous souffrir pour qu'il laisse pour bon Dieu. Daniel a loué le Seigneur. Daniel te connu qui ça lion yé. Daniel son ancien lié. Chaque royaume qui paraît, yon vin jouen Daniel là. Ah, il cite lui même. Obama pat te là, kouna Obama pat là encore, Donald Trump mette moun pal. Lorsque Obama, Donald Trump pap là, on l'autre moun ap pran, l'autre moun ap mette moun pal. Daniel te là depuis à 17 ans, kouna l'an 80 années. Ça veut dire Daniel kon existence lion yo. Daniel connaît force là. Daniel connaît histoire force là. Daniel connaît pas gens qui qu'on a là pour le sortir. Mais Daniel lui a loué le Seigneur. Il a loué le Seigneur pour ça que fait là. C'est bon Dieu qui voulait le consacrer d'accord. Il a loué le Seigneur. Il a loué le Seigneur. Mathieu m'a dit, mais nous comprenons l'élément ça. Je pas compte qui qualité événement qui a passé dans la vie, mais depuis la passé dans la vie, ou senti la tourmenté, ou pas plein, pas critiquer moun, louer le Seigneur pour sacrifier. C'est pour volonté, ou fait papa. Apprenez-moi ce que vous dire dans sa mienne. Apprenez-moi ce que vous dire dans ça. Et m'a loué au cher Seigneur. M'a loué au Dieu Tout-Puissant. Daniel. Ils mettaient Daniel en accusation. Ils mettaient Daniel en accusation parce que effectivement Daniel pas respecté décret. En fait, au début c'était un complot qui montait. Complot, nous connaît qui ça fait le monter. Mais qu'on y a, ils ont vint joindre Daniel qui à genoux, qui a prié mon Dieu par là. Ça veut dire Daniel pas respecté décret. Ça c'est pas menti lié fois ça. Est-ce que nous comprenons ça? C'est pas menti lié fois ça. Mais sauf que ça c'est pas raison principale là. Ça c'est pas cause là. Raison principale là c'est orgueil monsieur. C'est jalousie monsieur. C'est complot. Mais effectivement décret qui sorti à Daniel respecter décret ça. Il pas respecté. Daniel mis en accusation. Et roi Darius, lorsque l'apprend ça, que roi cassé à partir du verset 11. Verset 14, que roi cassé lorsque il tendait ça. Lorsque il tendait c'est Daniel. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Daniel, mis en accusation. Darius te remet Daniel. Malgré tout ça le fait, mais il n'est pas capable de délivrer Daniel. Parce que le tégétan fin,
signé déjà parce que le t'a fin mettre soa déjà, il t'a décrété t'a sorti déjà et suivant le principe des royaumes des Mèdes et des Perses qui s'est passé de pour fin écrit un bagage de pour fin sceller li et bien sorti fin dia ou dil net. Li irréfutable, li irrévocable, li dit net. Même qui ça Daniel prend. Ou a fait tout ça le capable. Mais le pas capable. Matin, j'ai un bagage que j'ai besoin de dire. Et m'a dit avec tout cœur. Avec un cœur d'amour. Qu'un problème ou la donne. Une situation où vous la donne. Pièce moun pas carité ou la donne. Vous avez volonté, vrai? Vous avez envie de vous. Mais quand ça dépasse vous. Vous avez fait un peu pour jamais dans la vie ou seul. Comme jambé ka fou ça. Oui, ou ap gen maman, ou ap gen papa, ou ap gen famille, ou ap gen zami, ou ap gen bon patron. Ou ap rele ou vre, ou ap chache ou vre. Mais ka fou ça, c'est ka fou pa ou li ou seul ka traverse l. Ah oui, gon examen pour la vie a passé ou. Tout moun ki nan entourage ou, yo très éduqué, ou gen gros bet sou yo, oui. Mais youn pa ka bo poule pour faire examen ça. Ça c'est examen pas oublié. Daniel consulte tout ça le café. Malgré c'est oublié oui, il fait tout ça le café pendant toute une journée. On bal pas parti. Mathieu m'ta rien comprendre élément ça. Suspendre compter sur monde. Amen. Suspendre compter sur patron. Suspendre compter sur ami qui dit la pédé ou. Suspend compter son tonton, yon ma tante. Suspend. En pile fois, nous compter sur yo et se garder nous garder malgré toute volonté yo. Malgré toute bonne disposition. Yo crié ensemble avec vous parce que vous n'êtes pas capable. Yo crié ensemble avec vous. Yo prend genou ensemble avec vous. Mais quand ça dépasse yo. Daniel li lal nan menwa, Daniel li nan mitan tout moun la, tout moun ap gade Daniel, wa ap fè demache, l'ap kouri moute, kouri desan, l'ap gade nan tout principe yo pou l'gade, comment ki sa te ka fèt sauve moun bon serviteur kon sa, mais anyen pa ka fèt. C'est pas fidélité ou non ki pa l'fè bon Dieu retire nan son ya. Bon Dieu écrit le kon sa sou la vie ou. Est-ce que l'église comprend ça me dit là? C'est pas parce que ou ap servi bon Dieu bien non? Qui peut le faire, bon Dieu, épargne de sa vivre là. Plantera, c'est comme ça. Gon leçon la donne, c'est pour être dans le pied, bon Dieu, pour apprendre leçon qui va venir. Oui, moi, aimé ça. Ou a pas qu'à faire rien pour Daniel, vrai. Malgré tout ça, que lui fait. Dossier ça trop gros pour vous, attendez. Si son ami ou son famille, réfléchis bien pour garder si dossier ça pas dépassé là. Gen dossier, c'est dans mes bon Dieu pour la guerre. Dossier ça. Nous chanter, bataille ça c'est pour qui laisse lié, c'est pour l'éternel. Pour qui ça wakra? Yeah. Pito la guerre bataille ça dans mes l'éternel. Daniel jeté dans fosse lion. Verset 17, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands. Afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Maintenant, mesdames, nous mettons dans la peau du roi Darius. Mesdames, nous mettons dans la peau du roi Darius. Roi Darius qui lui-même a signé sentence moun que le remet. Est-ce que nous comprenons ça? Roi Darius qui a signé sentence, moun que le remer. En pile fois, nous t'a dit, bon mes amis, qui ça fait possible? Mais principe yo dépassé roi. Roi pipiti par ses principes. Eh bien, Daniel, en route pour la force au lion. Lorsque vous mettez saut sous roche là, lorsque vous scellez roche là et puis vous mettez le sous tête force là, ça veut dire
tout bagaille fini. Ça veut dire pas de chance encore. Ennemi Daniel yo, yo tant de pièges là, mais oublié gen on bagaille. Pas de piège pour moun qui fidèle avec bon Dieu. Entendez nous comprendre ça, pas de piège pour moun qui fidèle avec bon Dieu. Pas de dossier qui dépassait bon Dieu nous a servi. Pas de cas qui dépassait bon Dieu que nous a servi. Maintenant, je voulais dire, quel que soit décret, quel que soit complot, quel que soit contrat qui signé sous dos, depuis le ciel, pas de permission, on ne balle pas partir. En pile fois. Allah cause. En pile fois nous chita là, nous pensons que c'est comme ça, ça t'a gardé nous. Hein? Well, nous tout bagarre bien marché, nous c'est comme ça. Est-ce qu'on pas réalisé des combats? Bon Dieu besoin bon en lumière pour le monde ça t'est arrivé ou? Ou pas conseiller de combat, c'est dans rêve ou est-ce? Est-ce qu'on pas ouais ça? Ou pas ouais qui chaos si c'était Dieu clair ou t'es dans combat ça? Wap marcher, le gado ou non mitan la nuit, wap marcher pour voler ou pas ka voler, mais ennemi a vin attaqué ou. Mais de l'eau devant ou, mais ennemi a vin ou pas ka fanye. Gemou bon le gado ou se zèl ou pas. Ah, m'baba nous menti, m'rimi ou elle m'a volé comme ça. Ya. Ça veut dire, bon Dieu que nous a servi à l'igé contrôle tout bagay. En pile fois, l'ibo ou ti lumière, li du map mouto ki sa te karive ou fon rêve ou gade ki sa te karive ou. Quel que soit situation, quel que soit complot, quel que soit nature, bon Dieu, ou quoi là dedans, il est capable de défendre. Et une grande activité que malin a gagné, c'est tant de pièges pour nous. Une grande activité malin a gagné, c'est mettre nous dans une situation difficile pour nous passer à côté volonté, bon Dieu. Parce que le connaît la limite nous à côté volonté, bon Dieu, là ça n'a fait route direct. Non, force lion. Oui, route la tracé pour Daniel aller dans force lion. Et Daniel en route pour lui aller dans force lion. Mathieu me voulait dire, force lion pour vous-même, ce n'est pas lion physiquement. Non. Lion pour vous-même, il casse la vie, j'en vie, même à maltraiter là. Par contre, si vous avez un combat spirituel, par contre, si vous avez un monde qui vit un élément comme ça, ça veut dire un combat spirituel. Ou senti une force que vous battez avec. Force lion, ce n'est pas nécessairement c'est un monde qui vient paraître sous physiquement. Non. Force lion, il a son maladie. Une maladie naturelle ou surnaturelle. Force lion, li kase Jean la vie a frappé à beaucoup. Force lion, li kase moun ki dou, m konnen m'te dou pa ka anyen. Mais scénario ça là déjà m quoi? M konnen. Et pas m'tande nou, m konnen. Yon famille. Qui ça? Papa te fait. Li fait yon sacrifice. Sacrifice ça le faire, c'est que pas doué jamais gagne une petite qui pour dépasser ni socialement ni économiquement. Il fait sacrifice ça. Yo papa. Alors qui chaos si ton grand papa qui te font bagarre comme ça sous dos, c'est pas le ciel qui vous passe avant. Et pour contrat ça t'est brisé, c'est une petite qui d'accord mourir. Pour bailler l'autre petit yo passé il d'accord le mourir écrasé contre ça même dit nous pas compte et pas dit dit mon monde nom compte ça passé écrasé you know d'accord mourir mais le écrasé ça pour libérer l'autre yo pour passer moi même ensemble avec vous qu'a servi bon Dieu malin pas content pendant qu'a servi bon Dieu pieusement avec intégrité fidèlement malin pas content ouais ou même ou avancer. Mais ça que je remets, c'est que nous dit toutes les nations m'environnaient au nom
de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'enveloppaient, m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a relevé. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue quoi? La principale de l'homme. Et pas nous-mêmes qui fait ça. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Amen. Et l'Église dit amen sous ça. Oui, méchant, vous regardez, on lit trop, pas de petit. Méchant, il y a petit. Et le ciel qui est petit. Méchant, vous regardez, il y a tout petit, tout pas éduqué. Et méchant qui éduque le monde. Nous parlons de ça, monde qui éduque à faire là. Parce que pas de Jésus dans la vie. Mais chaque fois que je regarde, je dis la vie pour passer mal. La vie m'a passé mal, mais c'est si je dans mon Dieu. Mais tout autant dans mon Dieu, la vie m'a passé mal. Amen. Oui, problème qui a venu. Vous comprenez ça? Amen. C'est dans la bataille nous, il prend coup. C'est dans la bataille nous, il faut nous prendre coup même dans mes Satan. Il faut que Satan nous coup même. Mais combat, c'est pour les gens qui ont lutté à genoux. Amen. C'est pour les gens qui ont lutté à genoux. Nous lis, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Nous t'amène nous réfléchir sur verset ça avec moi. Le malheur atteint souvent le juste. Psaume 34, verset 19. Mais l'Éternel l'en délivre. Maintenant, une première partie avec moi. Nous dit le malheur atteint souvent. Atteint souvent qui moun le juste. Texte n'a pas dit malheur pas jamais arrivé juste là, non? Texte n'a pas dit malheur c'est parfois, non? Il touche juste là, non? Alléluia! Texte l'a dit le malheur atteint souvent qui qualité moun le juste. Ça veut dire parce qu'on servit mon Dieu, c'est normal, c'est pour accident, c'est normal même pour qu'il attaque ça. C'est normal même pour blesser, c'est normal pour prendre coup. Nous disons que qui a fait boxe qui ne peut pas prendre coup, non. Il faut prendre coup et nous bataillons. On prend toute qualité de coup. Pour qui raison on prend toute qualité de coup? Parce que nous sommes un monde spécial, nous sommes un monde unique. Nous sommes un monde unique. Moi-même, serviteur qui a parlé là, pas de deux Josué comme ça dans le monde. Et moi seul qui l'a. Amen. Ou mettre chercher dans tout le monde, soit dans le monde comme moi là. Ou même, nous sommes un monde unique. Et Satan, eh bien, il a un viseur, il a cherché. Nous disons, Satan, qui s'est passé, il a brodé autour de nous, tant qu'on qui ça, tant qu'on lion. Il a cherché juste là. Oui, malheur a fini. Malheur pas fini parfois, non? L'a fini qu'il est souvent. Mais, mon content, deuxième partie, il dit que ça. Mais l'Éternel l'en délivre. Toujours. C'est pas parfois, non, mon Dieu a délivré nous. L'a délivré nous toujours. Bon, moi-même, j'ai une expérience, oui, moi. J'ai une expérience côté moi, toute bagaille. Noir net. Et puis c'est garder mon garder le ciel, ouvrir porte là. Devant moi. Moi-même qui fais expérience ça. Et si nous quoi, nous faisons expérience ça pas trop longtemps. Dans ce semaine ça même. Yeah. Bon Dieu a pas agi. Bon Dieu a pas agi pour nous. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous servons mon Dieu qui est fidèle. Nous servons mon Dieu qui est responsable. Nous servons mon Dieu qui a contrôlé toute bagaille dans la vie. Non. C'est pour mon Dieu qui a dormi. Oui, Daniel, il est vivant. Daniel vivant. Après, nuit que le film passé. Daniel vivant. Quelle grande surprise! Lorsque roi vini dans matin, grand bonheur, pour le les Daniel, serviteur bon Dieu. Bon Dieu qu'on observe, est-ce qu'il t'a délivré ou d'a?
demandé, mais est-ce que dans l'esprit roi, est-ce que roi effectivement lui attend une réponse? M'a demandé, mais est-ce que c'est pour une question rhétorique? Est-ce que le pas qui attend une réponse là déjà? Qui audace roi gagné pour la poser question ça? Roi aller, mais le rivé le poser question à sa grande surprise. Qu'on voit qui répond. Daniel a répondu. Au roi, vis éternellement. Ma demande qui s'est passé dans le roi, le temps de réponse ça. Le temps de réponse ça. Songez bien. Réponse Daniel, pral bail. Daniel pral dire comme ça. C'est mon Dieu qui voyait les anges. Tenez bien pour nous garder ça, m'a dit. C'est mon Dieu qui voyait aux anges. Ça veut dire, présence anges là, dans la force là, empêcher lion de forer Daniel. Présence anges là, dans la force là, les rend inactif lion. Et lorsque vous avez fini pour poser question, si pour une seconde, anges ça t'a déplacé, lion a mangé. Daniel, ça fait me comprendre, lorsque Daniel répond, ce n'est pas Daniel seul qui te répond. Amen. Amen. Le ciel répond. Amen. Il fait complot sur vous, alors le citer de l'autre côté, le ciel a présenté pour vous. Amen. Mm-hmm. L'éternel pas baille moi. Li pas baille moi, yo pas comprendre. L'éternel pape. Bon, la cause. Sommes avec Frémio. Satan pape joué. Satan pape joué. Il y a parfois dans la vie où on a servi bon Dieu. Et pour demander oh, le ciel. Pour qui raison c'est moi-même qui toujours dans la situation mienne? Pour qui raison c'est moi-même qui parle de santé? Où est-ce que volonté pour me servir? Où est-ce que volonté pour me servir? Hein? Vous regardez les gens qui sont santé, ils n'ont pas voulu faire rien pour vous. Hein? Pour qui raison c'est moi-même qui n'ai pas camper comme ça? Hein? Pour le ciel, pour qui raison c'est pas moi-même qui béni financièrement? Regardez les gens qui ont cobio, regardez qui ça a fait. Ils achètent ton éclat pour 12 millions de dollars. Hein, le ciel, regardez moi-même pas qu'à manger. Et c'est où m'a servi? Est-ce que c'est sous mentimier? Est-ce que je me trompe parce qu'on pas dit rien? Hein? Le ciel, pour qui vous avez même qui a persécuté comme ça? Quand chaque monde qui a une belle petite yon nommé, côté pas maintenant, est-ce que c'est pour un garçon mieux tout? Vous priez, posez question, le ciel a un contrôle. Le ciel a un contrôle. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dans le plan, non, c'est parce que date pour là, pour qu'on arrive. Mon serviteur qui parlait, mon aimé Jean serviteur a dit ça. Ou ouais, lorsque date pour l'arrivée, non seulement personne ne peut camper. Chou, nous comprenons ça. Ou ouais, alors date pour l'arrivée, la date l'arrivée, le nom cité est mis en cap d'où. Même donné après l'eau là, oui. L'obligé de ça parce qu'elle n'a pas qu'à empêcher ça. Même donné après l'eau là, oui. Oui. Il y aurait les mots, mais il y aurait les mots avec négligence, mais il y aurait les net. Il y aurait les net. Daniel, réponds au avis éternellement. Bon Dieu, que m'a servi à. Bon Dieu, ouais, innocent. M'innocent devant bon Dieu. Moi, innocent devant ou même toi. Je pas fait un rien qui mal. Songez bien parce qu'on servi bon Dieu avec intégrité. Parce qu'on servi bon Dieu avec fidélité. Ça, c'est pas un avantage qu'on a gagné pour tout bagaille bien marcher pour vous. Non! Oui, bon Dieu, qu'on a servi dans son amour, dans sa providence, il est capable de faire bon bagaille pour vous. Parce que bon Dieu, que nous a servi, il possède tout bagaille. Mais ce n'est pas eux-mêmes non qui pourraient dire que bon Dieu a servi. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont servi comme indicateur pour dire que vous avez servi bon Dieu bien. Daniel,
répondre. Et roi, quel content, tristesse roi, changé en joie. Oui, quel que soit hauteur problème qu'on fait face avec lui, quel que soit profondeur situation que vous la donné, bon Dieu là, bon Dieu qui contrôle toute bagaille, faut me dire méchant mettre mauvais, méchant mettre une volonté pour lui capable atteindre vie, mais volonté là pas suffit parce que bon Dieu là et bon Dieu prend contrôle toute bagaille. Lorsque moi-même ensemble avec nous gain bon Dieu comme refuge, ça veut dire Satan pas capable de faire nous rien. Lorsque bon Dieu c'est refuge nous, quel que soit nombre ennemi, quel que soit hauteur, quel que soit grosseur, avec bon Dieu nous former une foule et une foule imbattable avec bon Dieu. Oui, il est bon pour que ce bon Dieu nous gagne bon côté nous. Il est plus bon pour nous gagner bon Dieu au lieu que nous gagnions quantité de monde bon côté nous. Daniel sorti dans la force là. Daniel sorti dans la force là. Mais avant de dire Daniel sorti dans la force là, je t'ai aimé attirer attention sur l'élément ça. Pendant Daniel dans la force là, c'est une réponse que Daniel a baï roi. Daniel dit roi, c'est bon Dieu qui voit aux anges. Fin fermer bouche lui. Daniel te compte prier bon Dieu. Dès son jeune âge, t'es qu'on a prié bon Dieu. Mais c'est uniquement dans verset ça que nous voyons que Daniel te recevoir en visite. Nous comprenons ce que je dis là? Dans la situation difficile là, c'est là où on peut recevoir visite bon Dieu. On peut recevoir visite bon Dieu. Je m'imagine Daniel qui font nuit avec ange bon Dieu. Daniel qui font nuit avec ange bon Dieu. Dans le mi-temps, plusieurs lions affamés. Daniel a 80 années environ. Même si Daniel était Samson, Daniel n'a pas fait rien. Daniel grand monde déjà. Il a un trou. Dans le lion qui affamé ça. Mes anges l'ont passé nuit là avec Daniel, le lion de la tribu de Juda. Il passe une nuit là avec Daniel. Que situation que la donne, tout le monde garde ouais. Mais ça finit là. Pendant qu'il a parlé, alors que vous avez une visite spéciale. Dans le moment que vous avez réfléchi comment ou pas rien encore. Imagine ennemi, comment vous avez imaginé Jean-Lion, Daniel pas suffit pour quantité Lion ça. Pendant qu'il a médité, et puis Daniel recevoir les anges, bon Dieu, dans le moment. Dans le moment que nous avons mal gardé là, alors que c'est dans le moment ça, nous avons accueil, nous avons visite spéciale. Nous avons visite spéciale. Daniel sorti dans la force là, Daniel sorti, et table a viré qu'on y a. Bâton a changé, changé bout, mais a changé maître. Méchant ont envoyé Daniel dans la force là pour Daniel t'a mouri. Alors que dans la force, Daniel sont l'autre classe que t'a fait. Sur l'autre degré, Daniel t'a fait. Sur l'autre expérience, Daniel t'a fait. Qui expérience Daniel t'a fait? Daniel t'a fait expérience, il connaît désormais, même s'il est fidèle, malheur qu'arrive. Ça c'est un. Deuxième expérience, Daniel t'a fait. Daniel comprend que lorsqu'on a bon Dieu en dedans, Lion, pas qu'à faire rien. Daniel fait expérience ça. Qu'on n'a pas tout pas Daniel encore, qu'on n'a tout pas ennemi Daniel. Yo. Daniel fin fait expérience avec l'ange bon Dieu. Qu'on y a, c'est ennemi Daniel yo, qui peut faire expérience avec propre orgueil, par propre jalousie. Par texte ça dit nous, ou a mandé pour faire monsieur ça au vini. Yo vin avec madame, yo vin avec petite. Lion patonne
yo rive à terre, lion a le recevoir en route pour dire bonjour, bienvenue, et lion a le rencontré en route. Texte a dit nous, lion mange et le brise yo. Ça laisse me comprendre que lion yo te grand goût tout bon vrai. Si yo pas grand goût tout bon, yo tap seulement tuer et puis yo quitte là. Le yo te grand goût, yo mange et yo mange so. Eh bien, vous comprenez ça, somme avec frère, pas tant de pièges pour moun. Parce que dans tant de pièges pour moun, il y a un danger là-dedans. Piège ou tant nan, c'est pour pied pas ou cap chapé, tomber là-dedans. Maintenant, je comprends que c'est important pour me parler ensemble avec nous. Et de nous, dimension ça, et surtout son texte que nous habituons ensemble avec lui. Même vle nous connaître, quelle que soit dimension, situation, parole, bon Dieu qui contrôle lui. Bon Dieu qui contrôle situation. Nous t'avons mis en connaître que vous observez un bon Dieu qui est fidèle, un bon Dieu qui est responsable. Mais il y a un élément qui sont éléments clés pour moi-même ensemble avec vous. Ce n'est pas bon Dieu qui compte délivrer, non. Nous connaissons bon Dieu qui compte délivrer déjà. Ce n'est pas élément ça. Élément clé que je voulais attirer l'attention sur lui, c'est que nous devons observer bon Dieu avec fidélité. Servir bon Dieu comment? Droite. C'est leur servir bon Dieu droite. C'est leur ça. Bon Dieu a poto secou. Mais si vous ne servir bon Dieu droite, ou dans situation, ou dans situation pour corps. C'est pour bon Dieu béni, nous sommes avec frère. C'est pour message ça utile moi-même d'abord. Et c'est pour message ça utile. Qu'il en soit ainsi pour vous.